Yo les gars, c'est aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement mon matos de baseball parce que voilà sur la chaîne YouTube de moi et Roméo, bah, deux fois il y aura des vidéos de baseball, voilà. Donc c'est parti, je vous présente le matos un petit peu là et vu que j'ai pas tout ici, bah je vais vous présenter, enfin à l'écran je vous afficherai les trucs qu'il y a en plus. Allez, let's go. Donc comme premier objet ici on a mon nouveau gant, donc c'est un Wilson A2K, donc voilà si je peux vous montrer, voilà juste ici. C'est un 2K, le rouge pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai mis un truc Rawlings à l'intérieur, enfin, pour le maintenir. Et avec la boule dedans pour, bah, pour le former simplement. Donc voilà, il est en train d'être formé mon gant. Donc voilà, c'est un que j'ai acheté sur Baseball Monkey. Donc voilà, ici il y a le lanceur. Voilà, bah c'est un A2K, il est assez bien. C'est un des meilleurs gants du monde, voire pour moi le meilleur, après peut-être qu'il y a mieux, je sais pas. Mais voilà, vraiment c'est un super gant et il est hyper confortable. Moi perso je le prends en canard de sortie pour ceux qui savent voilà, du baseball en fait. Bon, je pense que les seuls qui ont regardé cette vidéo c'est ceux qui savent, enfin qui font du baseball, donc voilà. Ça va sûrement les intéresser, ce genre de personnes, pour qu'ils sachent un petit peu avec quoi je joue. Donc voilà, on passe directement aux autres trucs, allez let's go. Donc voilà, vu que mon A2K qui est là-bas, il est en train d'être formé, et eh bien je joue avec ce gant pour l'instant. Donc c'est mon ancien gant, donc voilà, c'est un Rawlings, je sais plus quoi, ça s'affiche à l'écran. Donc voilà, c'est un 11, enfin un 10 3 quarts, et celui-là là-bas c'est un 11 5, donc voilà, enfin, voilà c'est vraiment plus grand. C'est un, donc voilà l'intérieur, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais enfin voilà, c'est un RTD Series. Donc voilà, il est assez bien. Bon, par contre, il n'est pas du tout formé, hein, c'est une crêpe. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment celui-là, j'en prends soin parce que bah il coûte pas du tout le même prix. Donc voilà, celui-là, je sais pas si on peut encore l'acheter vu qu'il est assez vieux. Donc voilà, en tout cas, si on peut encore l'acheter, de toute façon, il y a tous les liens de tous les produits en description. Donc voilà, on passe directement aux autres produits. Allez, let's go. Donc là-bas, il y a ma casquette de mon équipe. Donc voilà, je joue au Firehorse de Campbell. Donc voilà, on a fini deuxième du championnat de Bretagne. Voilà, c'était, enfin voilà, oui, cette année-là. Et du coup, on avait participé au championnat, enfin aux qualifications du championnat de France. Donc voilà, on passe directement à mon casque. Let's go. Donc mon casque, voilà, il y a mon prénom ici, donc Axel. Voilà, c'est un Rawlings. Derrière, il y a le truc breton, enfin Triskel, voilà. Ça, c'est la référence de mon casque. Donc voilà, c'est le Rawlings CHFL. Je sais pas ce qu'il y a marqué ici. Enfin, je sais pas c'est quoi cette lettre donc qui s'est effacée. Mais bon, de toute façon, à l'écran, je vous afficherai la réelle référence. Donc voilà, à l'intérieur, bon, bah, c'est les machins pro machin là, pro dry. Donc voilà, ils sont hyper confortables, ce genre, enfin ces casques. Je crois qu'ils vont un truc comme 40 euros. Donc ça va en vrai. Donc voilà, il est plutôt stylé en dégradé de rouge. Donc voilà, toujours rouge parce que bah, mon équipe c'est en rouge. Donc voilà, on passe directement aux gants qui sont juste au fond. A tout de suite. Donc voilà, j'ai des gants lace hyper basiques. Il y en a plein qui les ont, ces gants. Ils valent rien, je crois. Ils valent même pas 15 euros. Donc voilà, c'est des gants lace. Il n'y a pas de référent, je crois pas. J'ai pas d'étiquette là-dedans, mais bref, de toute façon, ils s'affichent à l'écran avec forcément les liens en description. Donc voilà, ils sont un petit peu sales, mais bon, forcément, c'est des gants de batting. Donc bah voilà, c'est pas forcément fait pour tout le temps propre. Donc voilà, on passe directement aux deux battes qui sont juste ici. Donc voilà, cette batte, c'est une Louisville Slugger qui ne vaut pas grand-chose, mais elle est vraiment bien. C'est, attendez, je vais faire le focus. Pas focus. Elle vaut pas grand-chose, mais bah, c'était pas là. Enfin, c'est l'ancienne batte de mon frère. Donc voilà, elle est pas mal. Bon, le grip est totalement mort, hein, vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, c'est l'ancienne batte de mon frère, mais bon bah elle fait le taf. C'est une, je sais pas, j'ai plus l'autocollant, mais je crois que c'est une, voilà, c'est une 30. Je pense c'est une moins 10. Voilà. Je pense c'est une 30-20, donc voilà. On passe directement à ma batte qui est juste derrière. C'est la batte que j'utilise actuellement. Mais à Noël, du coup, je vais avoir ma nouvelle batte qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc voilà les gars, cette batte là, c'est une Desmarini. Voilà ici. C'est vraiment bien de mariner au niveau des battes. Donc voilà.
C'est une Debarini Black Coyote, donc elle est plutôt stylée. J'ai quand même pris bleu parce que bah bleu c'est ma couleur préférée avec le C rouge. Voilà, parce que bah, toujours le rouge. Ici, donc bon moi bah, comme vous pouvez le voir, c'est une 31. Fais le focus. Le focus s'il te plaît. Donc avec rien de pas. Bon voilà. C'est une 31-20, donc enfin -20, pardon. 31-20 hausse, donc ça fait une 31-10, donc voilà, c'est hyper léger, -11 pardon, donc voilà, c'est juste hyper léger, elle en a lu, donc voilà, pour moi c'est trop léger, parce que vraiment la batte qu'elle a, la nouvelle batte que je me suis pris, c'est une 32-5, donc voilà, parce que je suis en dernière, il y en a eu 15, et bah, -11 c'est vraiment très léger, et vraiment, bah, celle que je vais avoir, celle-là, comme vous pouvez le voir, elle est, le baril est tout petit, alors que celle que je vais avoir, c'est un baril 2.58. Donc c'est vraiment un baril bah, normal, quoi. Enfin, c'est un gros baril quand même, 2.58. Donc voilà, à l'écran, je vous affiche tous les autres produits que j'ai, voilà, que j'ai pour jouer. Donc genre mes chaussures, mon sailing short, donc, voilà, il y a tout. Voilà, moi c'est tout, je vous laisse sur cette vidéo. Le produit qui est le plus cher dans tous, donc voilà, c'est mon A2K. Après c'est ça, après je crois c'est ça, ça, non, le casque est plus cher que la batte là, la batte, la casquette, enfin bon, c'est une casquette, donc voilà, et mes gants, mais voilà, à l'écran donc qui s'affiche là, il y a mes Adidas Wallhouse 3, donc c'est les chaussures que j'utilise pour jouer en ce moment, mais du coup vu que je passe en senior, bah, je vais prendre des chaussures à crampons en métal, quand je vais passer donc la saison prochaine. Donc voilà, moi je vous laisse, c'était Axel, donc voilà. Normalement la prochaine vidéo ce sera soir, donc Rome qui présente un petit peu tout ce qu'il a lui pour l'instant, même s'il va y avoir plein de choses à Noël pour nos vidéos. Donc voilà, salut.